qui nous opprime. Ça, je crois quand même que ce sont quand même de bons révélateurs. Comme par exemple, je dis, la question du révisionnisme est une bonne ligne de partage des eaux, la question juive est une bonne ligne de partage des eaux. Mais même la question, je dirais, du refus radical de lobby LGBT aussi. Il faut avoir des positions claires et fermes sur toutes ces questions. Y voir clair. Parce qu'en plus, si on met des enfants au monde, dans ce monde de fous, il faut vraiment qu'ils aient quand même des convictions fermes et solides et des repères moraux, spirituels, intellectuels, extrêmement clairs, extrêmement fermes. C'est évident. Il faut qu'ils sachent que ce qu'est un homme et une femme, là, l'abomination de la théorie du genre, il faut qu'ils sachent réellement ce qui s'est passé à Auschwitz-Struthof. Pour ne pas avaler ce qu'on leur demande d'avaler, il faut qu'ils sachent que, s'ils sont pas dans le bâtiment, leur expliquer quand même que les individus en septembre, il y a un petit problème, quand même, etc. Les officiels, techniques, etc., etc. Je veux dire, il faut qu'ils soient quand même au courant. Il faut qu'ils aient lu Bardèche, Nuremberg aux Terres Promises, qu'ils lisent Rivarol.